Drink, drink, allez, réponds, dépêche-toi. Mais c'est la ligne d'urgence du Conseil des vampires. Soit c'est la prophétie qui se réalise, soit c'est mon casse-pied de fer. Drink, drink. Lydia? Oh, laisse-moi deviner, tu veux que je m'assure que ta petite Mavis chérie va bien? Non, je veux que tu t'assures que ma petite... Oh, d'accord, là tu m'as bien eu. Va voir ce qu'elle fait! Oui, d'accord, mais je t'assure qu'elle est bien à l'abri dans sa chambre. Tu vois? Chut! Mavis! Mavis? Elle est en train de dormir. Sortons sans faire de bruit. Il ne faudrait pas réveiller la petite Mavis chérie. Non, c'est Mavis chérie. Au revoir. Oh. Et maintenant, il faut retrouver cette petite peste. Mavis, est-ce qu'on est vraiment obligé de se mettre en danger de mort? Tous les ans, on nous raconte les mêmes histoires d'horreur sur ce que font les humains la nuit d'Halloween. Et si tout ça n'était qu'un tas de mensonges? On va voir ça! Hein? Ce sont des décorations pour une fête? Nom d'une peste noire! Ces deux petits monstres se jettent dans la gueule du loup! Oh, ils vont liquéfier leurs organes et faire de la purée de monstres! Ben, au moins, comme ça, c'est plus digeste! Des bonbons ou un sort? Joyeux Halloween! Vous avez vu ça?